وي سيدي دي تولي انت كيساك مازال نتكمل نتكمل نتروح كان سيال ثم نماضل اما ديت مزغه ديال الجزائر ديك موت القبائل اما ديك ماضال لي خمسه لي كونتينون كي نقرا فرانسيس عند تيدير يا قبائليين يا ايموسناون يا غينازوران يا يا قبلي يقدشن دي يا الاحريش انتو درت او كني اثني دناوي اثنتي سينوم ثيكلتا نروح نغزو غير بوفاريك دي ثمان بليدا غير بليدا ديال الجزائر دينا غيتي دي كان يون بونغاز ذا مسناو امسلاو يشدن اثنس لمس اي من قا فرانسيس الاسلامولوجي ديون بونغاز يلحق عطاس ومسلاي فلاس تا وين كيد عطاس نتي لي زغيوين يغميسن يتاكد كاتيكتي وين تي مينوثين غاني يشدن اثنس لمس وكان اها ثقلمتي ذماس سعيد جاب الخير اسينير سعيد أزول فلاك Azoul, Azoul Arachid, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Je remercie Tétu 5 voilà, de m'avoir invité, de m'avoir permis donner cette occasion pour échanger avec votre honorable public. Voilà, en même temps, je voudrais m'excuser auprès de vos amis, de vos auditeurs. Parce que je vais m'exprimer en français du fait que même si je suis d'origine, je suis d'Azfone, je suis kabyle d'origine, de père et de mère d'ailleurs, mais en même temps je suis natif de Boufarik et donc j'ai été élevé dans un milieu où je n'ai pas eu très souvent l'occasion de pratiquer le kabyle. Donc mon kabyle il est très rudimentaire, je n'ai pas un vocabulaire assez large pour me permettre de m'exprimer entièrement dans ma langue, ma maternelle. Donc mais voilà, donc je m'excuse déjà dès le départ de m'exprimer en français. ولاش غفل سعيد ماشي كان هادشي ديال ندم زوارو اشكور كي كاين ان كنا تي كيو 5 اسقسينا ديال قبيليت ماشا وكادين ومن تمسلاي لان مي كاديك لاند فرنسا ديال الامريكان ديال الجزائر ديال ثما ومضال سان روحت قبيليت ماشا وتمسلينا بور دي ريزون ديفيرس هي ماشي غفل شو كان كاين كي تقسيت قبيليت اشكون زغط فهم تاع قبيليت سيريتيني كتشيلي فرانسيست إوا كنا نروح سعيد سريد سسقسيا أو يوفانا تصمد مس سعيد جاب الخير خاطر يتقثو مسلاي دي لذغا سقوسنا كي نقولا أف أموسو كي أما ينوث تنسلمت يدينو الفانا كان يكشمن ثم زغا أنا أفريك دي نور لذغا الجزائر أكذا تموت القبائل أي منقى أموسو أكين أسرثن تنسلمت نار للسلافيزم لو قلت قارن جهاديس لو قلت قارن عني للداعشيس تغتا قارن أو يفانا نوح أدنسكفل إزوران أنسين دي كان لهلك أكين مشا أسقسي أمزوارو أكسو مثلا أو يفانا تسمض الاسلام يكشم طاس تمورا طاس غرفان اذلسان اسكو غاد الاسلام يدي امبوزين يدي حتمن ثلاث فعرف ان وكالا عند ومشي ذاك اللي نطعف مثل مزغا نار نار ذا السنين كلام تمورا نير نعلم نقص فرانسيس لي كولتور local, que le local, c'est tout qui a adapté l'islam à la mentalité nord-nansen. Je suis très heureux de vous dire que je suis un franciste, je suis un ougar, je suis un ougar, l'islam a-t-il imposé la culture arabe dans les territoires non arabes ou bien s'est-il adapté aux cultures locales des terres conquises comme la Tamazra? D'accord. Tout d'abord, je voudrais dire que l'islam, en fait, il n'a imposé aucune langue. Même si le texte fondateur de l'islam, le principal texte fondateur de l'islam, qui se trouve être le Coran, il a été révélé en langue arabe, ce texte-là, juridiquement parlant, il n'a pas imposé la langue arabe aux autres peuples qui ne sont pas arabes.
tels que les Coptes, tels que les Perses, les Iraniens, tels que les Pakistanais, etc., etc. Et tels que les Amazigh aussi. Donc, il ne leur a pas imposé une langue. On remarque même, sur le plan juridique, par exemple, que nous avons un grand juriste, qui est l'imam Abu Hanifa, qui nous dit qu'il est permis, par exemple, de prier dans d'autres langues que l'arabe, c'est-à-dire même en lisant le Coran dans d'autres langues pendant la prière. Pendant la prière. Donc, par exemple, un amazigh, il peut prier en tamazight, c'est-à-dire il peut lire le Coran dans la prière en tamazight. Et un Pakistanais, par exemple, il a le droit, islamiquement parlant, de lire le Coran pendant la prière en ourdou, par exemple, dans sa langue. Et ça, c'est permis dans l'école juridique, l'imam Abu Hanif. Et c'est connu, chez les spécialistes, c'est un avis qui est très ancien, qui est connu. Donc, l'islam, en fait, ce qui a imposé la langue arabe aux terres musulmanes dites Aradi Meftouha, les terres conquises, ce qui a imposé, c'est la politique, c'était la politique des califes, c'était la politique impériale des califes. Donc, et ce n'est pas le texte fondateur qui a imposé cette langue. D'ailleurs, le Coran, il dit tout à fait le contraire. Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi itqakum. Et dans un autre verset, inna fi ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum ayat. Donc, il y a des signes révélateurs dans la diversité des langues et la diversité des cultures. Donc, aucune langue n'a été imposée. Mais la langue arabe, elle a été imposée après le prophète par les califes. Et ça, ce n'était pas les préceptes de l'islam, mais c'était plutôt la politique impériale du califat. Donc, c'était une question purement politique. Donc, on a imposé effectivement cette langue dans le cadre de la politique du califat. Mais sinon, d'ailleurs, le Coran, par exemple, on remarque que le Coran, il est récité dans plus de 1549 patois arabes. Donc, le hadjet l'arabia. Donc, nous avons plus de 1549 façons de lire. C'est des façons différentes de lire le texte coranique, ce qu'on appelle le qira'at, sab'a ou l'ashra, ou fouq l'ashra, 14. Et puis, en fait, quand on épluche bien ce domaine, le domaine des qira'at, on se retrouve avec plus de 1549 lectures qui sont toutes licites et permises. C'est-à-dire que le musulman, il peut lire dans n'importe quelle lecture de ces 1549. Il y en a en fait plus que ça. Donc, tous les patois arabes, je vous donne un petit exemple. Par exemple, dans la Fatiha, par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamina, Rahmanir Rahim, Maliki, Yawmiddin. Ce mot, Maliki, il a été lu dans plusieurs versions. Maliki, Malki, Mulki, Maliki. Il y a une autre lecture, Maliki, Bilia, Ma'atali. Donc, plusieurs versions de lire. Il y a plusieurs façons de lire. Et les façons, en fait, c'est des patois. C'est les patois arabes, c'est les patois qui sont issus des différentes tribus. Donc, pas seulement Quraysh, mais il y a les autres tribus qui ne sont pas Quraychites. Par exemple, vous avez Houdayl, vous avez le Banu. Vous avez Banu Zuhra, Tamim, Banu Tamim, vous avez Huzail, vous avez Rifar, par exemple, duquel est issu le fameux compagnon Bouzar Rifari. Alors, Rifar, Hadou, ce n'était pas des Quraychites, c'est une tribu qui vivait loin, très loin de Quraysh, dans le désert de la péninsule arabique. Donc, c'était des patois qui différaient. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, le mot, quand le Coran dit
لكل أفاك أثيم. لكل أفاك أثيم. أثيم ça veut dire criminel. Donc le mot أثيم n'était pas connu en dehors de Quraysh. Il y a quelqu'un qui est venu en compagnon Ibn Mas'ud, ce n'était pas un Qurayshite, il est venu apprendre le Coran. Donc Ibn Mas'ud lui a récité ce verset. Les kulli affakin athim. L'autre lui dit, c'est quoi un athim? Ibn Mas'ud il était étonné. Comment tu ne connais pas le mot athim? Tous les Qurayshites le connaissent. Alors l'autre il lui dit, moi je ne suis pas de Quraysh et puis je ne connais pas ce mot. Il ne pouvait même pas le prononcer. Il ne pouvait même pas le prononcer. Athim, tellement il n'était pas dans son patois, il n'était pas habitué à prononcer ce mot. Il ne l'avait jamais utilisé auparavant. Donc il lui dit, bon, tu connais Mujrim? On lui dit, oui, Mujrim je connais. Eh bien, tu récites Mujrim. Donc il a, Ibn Mas'ud, il est arrivé à remplacer un mot par un autre dans le Coran. Un autre cet apprenti, cet élève ne connaissait pas dans son patois, il lui a permis de changer un mot dans le texte sacré, dans le texte coranique, pour qu'il puisse prononcer, parce que le mot originel, il ne l'avait pas. Le mot d'origine, le mot athim, ce monsieur ne l'avait pas dans son dictionnaire. Donc, le dictionnaire qu'il a appris dans son milieu natal, donc dans sa tribu. Il ne l'avait pas, donc il lui a permis de. Allo, ma'lish, iqra'ha mujrim, li kulli affakin mujrim. Donc, le verset, Ibn Mas'ud, il s'est permis de changer totalement la structure du verset pour répondre à un besoin linguistique chez un arabe qui n'avait pas le même dictionnaire que celui de Quraysh. Pourtant, c'est un arabe aussi, c'est un arabe aussi. Donc là, on arrive finalement à une déduction qui a été très, très, c'est une déduction qui a été en fait adoptée par plusieurs chercheurs et plusieurs orientalistes et même plusieurs chercheurs, même musulmans, pas seulement les orientalistes, qui ont dit que, en fait, en réalité, ce n'étaient pas les Arabes qui se sont islamisés, c'était l'islam qui s'est arabisé. C'est en fait l'islam qui s'est arabisé. Et ce n'était pas les Arabes ne se sont pas islamisés. Et la preuve, c'est que le tribalisme, il est très vite revenu en Arabie. On s'est retrouvé en 1700 et quelques. Peut-être qu'on va en parler après, lors de l'émergence du wahhabisme, 1710, 1720, en Arabie, on s'est retrouvé avec une péninsule arabique totalement tribalisée. On dirait que l'islam n'est jamais passé par là. On ne dirait pas que l'islam, c'est là où il était né. Le tribalisme est revenu, et il était revenu... pas seulement, en force, beaucoup plus que ça. Donc il régnait en maître sur les lieux, sur la péninsule arabique, et donc voilà, finalement, ce n'était pas les Arabes ne se sont jamais islamisés, ils se sont adaptés à l'islam pour l'utiliser en tant que carte politique, pour légitimer leur pouvoir, pour légitimer le projet politique qui se trouve être le califat. Mais ils ne se sont jamais islamisés au vrai sens du mot. Les peuples qui se sont vraiment islamisés, c'était les peuples non-arabes. C'était le Fors, c'était les Turcs, c'était les Coptes, c'était les Amazirs, c'est ceux-là qui se sont vraiment islamisés. Et c'est pour ça que quand on essaye de faire, par exemple, on essaye de faire, c'est-à-dire on fait une recherche, par exemple, pour savoir quelles sont les cultures d'origine pour les érudits les plus célèbres de l'islam, par exemple, le Bukhari, par exemple, Abu Hanifa. Abu Hanifa, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Nasa'i, Ibn Majah, la plupart, 98% ne sont pas arabes. Ne sont pas arabes. Vous imaginez, par exemple, ceux qui ont écrit les plus célèbres dictionnaires de la langue arabe n'étaient pas arabes.
لسان العرب ابن منظور سي با ان عرب، القاموس المحيط الفيروزابادي سي با ان عرب، تاج العروس الزبيدي، صديق لي بلو لي ريفيرونس دو لانغ عرب اونت ايتي ايكريت بار دي نون عرب. دونك لا Là, on a la preuve concrète que finalement ceux qui ont porté le vrai islam, ceux qui ont été, c'est-à-dire les vrais porteurs de l'islam et ceux qui ont vraiment servi l'islam, ce n'étaient pas les Arabes, c'était des éléments d'autres cultures et d'autres langues. Et les philosophes, d'ailleurs, les philosophes de l'islam, ceux qu'on appelle, ils ont été, tout le monde sait qu'ils ont été excommuniés. Par les fuqaha, par les érudits, par les juristes, tels que Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, etc., Bayrouni, Omar Al-Khayyam, Ibn Rushd, tous ces philosophes ont été excommuniés par les juristes, mais ils sont quand même considérés comme étant des philosophes musulmans. Mais ces philosophes-là, il n'y a qu'un seul parmi eux qui était arabe, c'est Al-Kindi. Et encore, même le Kindi, il y en a qui disent que finalement il n'était pas. Mais bon, c'est le seul qui était, c'est-à-dire, reconnaissable et comme étant arabe, c'était le Kindi. Les autres, tous les autres n'étaient pas des arabes. Donc, et c'est pour ça que l'islam, il n'a rien dit. Par exemple, quand l'islam il est arrivé au pays des Perses, par exemple en Iran, quand l'islam était arrivé en Iran, eh ben, il a dû s'adapter à la culture persane, à la culture locale, à la culture locale. Donc il y a plusieurs cultures. Prenons l'exemple, par exemple les fêtes anciennes des Perses ont été acceptées. Par exemple la fête de ce qu'on appelle la fête du Maharajan et la fête du Nowruz. Le Nowruz et le Maharajan. Ce sont deux fêtes très très anciennes, comme chez nous, par exemple, comme chez les Amazirs, comme le Yenayr, par exemple. C'est une fête très ancienne. Les Perses aussi, ils avaient leur fête, ils avaient deux fêtes principales qui étaient le Nowruz et le Maharajan. Eh bien, ils ont été reconnus, ces deux fêtes, elles ont été reconnues par les juristes musulmans et elles étaient fêtées même par les califes. Les califes abbassides fêtaient les fêtes. Il fêtait le Nowruz et il fêtait le Maharajan. Le calife, pendant cette fête, on lui donnait des cadeaux, on lui présentait des vœux, etc., etc. Donc voilà. Donc pour les Amazirs aussi, je vais peut-être vous étonner. Vous allez au Maroc par exemple, les Bereguata, ils ont écrit leur propre Coran. Ils ont écrit un autre Coran, c'est connu. Vous allez dans Google, Bereguata, vous allez trouver leur histoire. Les Bereguata, eh ben c'est un État musulman, comme chez nous, par exemple, les Rostomites. L'État des Rostomites qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle aujourd'hui les Mozabites, ce sont eux qui ont été à la base, qui ont porté l'État Rostomite, qui était le premier État berbère, le premier État amazigh. En Afrique du Nord, c'est-à-dire étant musulman, je dis bien musulman, en Afrique du Nord. Donc les Rostomites, ils avaient aussi leur propre culture qu'ils avaient adaptée à l'islam. Les Bereguata au Maroc aussi, les Rostomites ne sont pas arrivés à écrire un autre Coran, mais les Bereguata l'ont fait. Les Bereguata ont écrit leur Coran. Pourquoi? Parce que ils ont vu que l'orthodoxie de l'islam n'allait pas bien avec certaines de leurs coutumes ancestrales, etc. Donc ils ont opté pour un autre Coran et ils ont même fait par exemple des amendements sur pas mal de pratiques religieuses, de pratiques cultuelles en islam. Par exemple, le jeûne, les Bereguata ne jeûnaient pas un mois, ils jeûnaient trois jours seulement. Quand ils sont montés le tiyam, les Bereguata, le ramadan pour eux c'était trois jours, par exemple. Donc tout ça, c'était pour adapter le religieux au local.
Donc, et là, on se retrouve avec une multitude. Et c'est pour ça que les chercheurs nous parlent de, ne parlent pas généralement de l'islam, ils nous parlent des islams au pluriel. Donc, il y avait autant d'islam que de lecture des textes fondateurs de l'islam. Donc, autant de lectures au pluriel et autant de versions de l'islam. Donc, vous avez, et c'est pour ça, et là, j'en arrive à l'islam, ce qu'on pourrait appeler chez nous l'islam kabyle, qui est très différent سعيد سعيد oui. السقسيه كي الاسلام يشدنا في قبيليت هذا السقسيه اللي تسدونا بزاف كاتوغا يعني سقسيين ماشي لا D'accord. نوصلش شنيا فاكي سقسي كنظن شنو ضد باللي نزمر انزال قبيليت ماشي ذا قبل هكا Oui. نزمر Oui, effectivement. اسقسينو Tout à fait. القران مدينة الآيات النية أسكو لزمة تدين قبيلية خاطر دوغا ثلاث سوقيت Oui, bien sûr. خاطر لو قال دي سوق لان القرآن قبيلية هاي لا لا فيرسيون كابيل دو كوران كي فات با ان بروفيسور دو لونيفرسيتي كي تي مون بروفيسور دو شيمي باب زوار يسابيل رمضان واح اس بروفيسور دو شيمي كي ميتنون سا روتخيت سي مي ا ترادوير لو كوران اون كابيل دو فاسون فورميدابل دونك اسكو Est-ce qu'on peut prier en Kabyle? Tu confirmes ça? Exactement, oui, on peut prier en Kabyle, c'est permis dans l'école de l'imam Abu Hanifa, qui est une école très très ancienne. D'ailleurs, Abu Hanifa, c'est le maître de l'imam Malik, c'est un des grands maîtres de l'imam Malik. L'école de l'imam Abu Hanifa, c'est l'école juridique la plus ancienne en islam, c'est la plus ancienne. Parmi les écoles célèbres qui sont connues, les quatre écoles connues, Hanafi, Shafi'i, Hanbali, Maliki, donc le plus ancien, c'est le Hanafi, justement. Et l'imam Abu Hanifa, il permettait de, pour lui, il était tout à fait permis de lire le Coran pendant la prière dans d'autres langues que l'arabe. Donc, y compris le Kabyle, y compris le Kabyle. Il existe maintenant des traductions officielles. Kabyle du Coran. Il y a même une traduction qui a été éditée en Arabie Saoudite. Moi, j'ai moi-même chez moi la traduction qui a du Coran en Kabyle, éditée par traduite par un Algérien, bien sûr, dont je n'ai pas le nom actuellement en tête, mais c'est une traduction qui était officiellement éditée en Arabie Saoudite. Donc oui, on peut lire, on a le droit de lire le Coran en Kabyle pendant la prière. Ça peut se faire. Même pour vous dire, même par exemple les prêches du vendredi, les prêches du vendredi, vous allez par exemple en Turquie, et les prêches du vendredi, ils sont faits en turc, ils ne sont pas faits en arabe. Vous allez en Iran, les prêches du vendredi sont faits en perse, pas en arabe. Pour des gens qui ne la comprennent pas, ça n'existe que chez nous. Partout ailleurs, vous allez en Inde, par exemple, il y a 300 millions de musulmans en Inde. Vous allez en Inde, vous trouverez les prêches du vendredi dans les langues locales, pas en arabe. Sauf bien sûr quand ils lisent quelques passages du Coran, mais tout de suite, ils traduisent dans les langues locales. Donc voilà, donc oui, سعيد je vous confirme que وي c'est. سعيد سي بيان دو كونفيرمي سا باسكو اكزاكتومون عقلك ذا شنو كي دينا يي ونك ني موسنا وكي ذا قبيلي هو لم تي دي تي كي 5 كي مثلا موسى سلمي ايناد اكزاكتومون شي دنيل ذا كان نزمر انزل استقبالي ماشي ذا قبل هاتان الاقباليين الاقباليين هو حتى تظلم السقبيليت يعني وغاد القران ماشي حاجه كان مثل دوغمني نورمال مي وغاد القران زعما ضاغم في صونفين السقبيليت ناكا
أولاد أجمثنا سعيد أولاد تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب امرأته حمالة حطب في جيد حبل المسد زمطي دين ذاك يا تفغان نفوس أبو لهب أتسمساتي تشن فوالا أو يغبح سيك صور دين إنس تبطو تي تسويني صغاران أتزم أذو غنتيمس أذي مثل جهنم أنا كان زمطي دين ذاك يا ماشي تغفل Exactement, oui, exactement. Oui, tout à fait, tout à fait, Tu tout à fait. confirmes? Exactement. Tu confirmes Oui, bien sûr. Ok. Oui, je confirme, selon l'école hanafite, il est permis de faire comme ça, de lire les sourates du Coran dans la prière, de les lire dans d'autres langues que l'arabe, dans les langues locales, c'est-à-dire la langue maternelle de celui qui prie, qui fait la prière. Voilà. اي قبل ديال قبيليين ديال بونكاز دا مسناو نتنسلم تكا ديماتنا السعيد جاب الخير وانت دينان ايه هو حتى تظلم ماشي دا قبل تظلم استقبالي تو غنروح سسقسي وسين ايماتنا السعيد ذاكن وثني طيدا وثني طيد باللي ماشي الاسلامي كامل يذوذنا اغرفان ضعرفن ماشي تسرتي لا بوليتيك كذا مزروي الخلفاء بور تي كيسيون دو بوفوار qui imposent, parce qu'ils n'ont pas le choix que de gérer en langue arabe, parce qu'ils ne connaissent pas les langues locales, donc qui ont fait que, en sorte que d'officialiser leur langue qui est l'arabe pour pratiquer l'islam. Et malheureusement, un chèque, mais j'ai dit ce qu'il y a, elle est mal, donc ça qui est tout rare, mais voilà, c'est qu'il y a un choukame qui arrête de faire un bout de fléka, un bout de médien, un bout de kiff, kiff, la même chose, donc c'est eux qui ont imposé, il y en a ce qui dit le flanara, comme chèque, mais je dis, d'être des carbelins, nous, amazir, arabe, en l'islam, donc c'est une façon de justifier encore la mainmise de la langue arabe sur l'islam. Donc, ils ajoutent des mensonges hein, qui n'ont jamais eu lieu d'être. Donc, Thura, un shtekir, ces dérapages idéologiques, politiques, ont donné lieu plus tard à un mouvement, à une moussour mounqarm, à moussour as-salafir, dans le mouvement salafisme. Où il faut dire qu'il y a un petit douceur, le salafisme, un petit dictionnaire de mouth. À l'origine du salafisme chez nous. D'accord. D'accord. Alors, le salafisme, en fait, en Algérie, le salafisme est. Nous avons deux moments forts dans l'histoire du salafisme en Algérie. Nous avons un premier moment qui est assez ancien, hein, qui est très ancien, c'est-à-dire le moment de ce qu'on appelle. Vous avez Doula, c'est l'État qui était là avant les Fatimides, avant l'Empire Fatimide, c'est-à-dire c'est au temps de ce qu'on appelle l'Araliba qui gouvernait au nom des Omeyyades et des Abbasides dans le Mashrek, dans l'Orient, en Orient. Donc là, c'était le salafisme au départ qui régnait en force. Pourquoi? Parce qu'il était, officiellement adopté par les pouvoirs. Le salafisme, au départ, il était officiellement adopté par les pouvoirs en Algérie. Enfin, en Algérie, en ce temps, on ne disait pas l'Algérie, on disait le Maghreb al-Awsat. Maghreb al-Awsat. Et la Tunisie, on disait Afriqiya. Et le Maroc, on disait le Maghreb al-Aqsa. Donc voilà. Voilà. Au départ. Et puis nous avons assisté à un deuxième moment, grand moment du règne salafiste en Algérie, le Maghreb, le Maghreb al-Awsat. C'était le moment de l'empire des Mourabitines, ce qu'on appelle. À ne pas confondre avec le Maravran chez les Kabyles, c'est différent. C'est pas Maravran, c'est les Almoravides. C'est les Almoravides. C'est l'empire des Almoravides, le Morabitoun. C'était en fait des Fouqahas, c'était des érudits. Parce que Maravran chez nous, c'est autre chose. Maravran, c'est en fait c'est le mot qui veut dire les Shorfa. C'est les gens qui sont alignés à la famille du prophète. C'est ça qu'on appelle chez les Kabyles Emravdan. Je travaille avec un verre, moi, quand je
Admiral, plus tard, dans une autre émission, à la question des marabouts, parce qu'on doit connaître exactement c'est qui les marabouts. Ah oui, il faut un peu plus, vous êtes dans le domaine, vous connaissez un peu l'histoire de l'islam, donc là, tu vas nous expliquer tout ça, peut-être, pas, c'est pas le moment maintenant, mais j'aimerais bien revenir là-dessus, sur cette question-là. Ça te dérange pas? Non, 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 pas du tout. Avec plaisir. Ah oui, enfin, tu J'arrive. auras je t'ai coupé. D'accord. Donc, le deuxième grand moment du salafisme chez nous, c'était l'empire des Almoravides. Daoulat Almorabitoun, qui était purement salafiste. C'était des salafistes purs et durs. C'était le salafisme de l'État, le salafisme adopté officiellement par l'État, et c'était les érudits, c'est-à-dire les juristes, les fuqaha salafistes, qui régnaient en maître en Algérie. D'ailleurs, tout le monde sait, tous les historiens et les spécialistes savent que les Almoravides ont ordonné de détruire et de brûler tous les livres du soufisme en ce moment en Algérie. Et toute personne qui était chez qui on trouvait un livre du soufisme, elle était exécutée. Et le livre était brûlé, carrément. D'ailleurs, c'est connu, tous les exemplaires qui ont été les exemplaires du fameux livre de Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, de l'imam Ghazali, Ghazali l'ancien, bien sûr, pas celui des frères musulmans, pas celui qui est venu en Algérie, chez Mohamed Ghazali, Abu Hamid, c'était le soufi, l'ancien. Donc, Abu Hamid Ghazali, Ihya Ulumuddin, ça c'est un livre c'est un ouvrage qui traite essentiellement du soufisme. Donc, tous les exemplaires ont été rassemblés au temps des Almoravides, ils ont été rassemblés sur la place publique et ils ont été brûlés devant. C'est la même chose, c'est ce qui était arrivé aussi dans tous les États dits aujourd'hui, qui sont dits les systèmes fascistes, par exemple. C'est la même chose qui a été faite, par exemple, par Mussolini, par Hitler, etc. Ils ont brûlé, même ça, c'est arrivé en Chine aussi, c'est ce qu'on a appelé la révolution culturelle en Chine, au temps de Mao Tse-Tung, ils ont brûlé tous les livres qui n'était pas adapté ou qui n'était pas adaptable à la culture officielle, c'est-à-dire à la culture officielle de l'État. Donc, le livre de Abu Hamd Ghazali, et tous les exemplaires de ce livre ont été rassemblés et brûlés devant les gens sur la place publique. Donc, c'était vraiment un État salafiste. Le troisième grand moment, c'était au temps de la colonisation française, pendant les années 20, et c'était justement ce qu'on appelle les oulémas. L'association des oulémas, Jam'iyyat Ulama al-Muslimin Jazayriyin, qui nous a importé, encore une fois, le wahhabisme et le salafisme en Algérie. Donc, et ça, les oulémas ne le cachent pas. C'est-à-dire, par exemple, vous allez lire un Bachir Ibrahimi ou bien un Mili, le Mili, Mohamed Lebe, comment il s'appelait déjà? Barak, Mohamed Mili. Barak Mili. Mbarak, voilà, Mbarak le Mili, vous allez lire même Cheikh Mbadis, c'était des gens, même Cheikh Tbissi, par exemple, Arabi Tbissi, c'est des gens c'est-à-dire qui ne se cachaient pas sur ce plan, ils étaient même fiers d'être wahhabites à la limite, donc ils n'avaient aucun problème avec ça. D'ailleurs, ce sont les oulémas qui avaient édité les premiers, tout premiers livres du wahhabisme en Algérie. Donc, ce sont eux qui ont fait entrer cette idéologie en Algérie. Donc, et bien sûr, cette idéologie, elle a commencé à se propager progressivement en Algérie après l'indépendance, de façon progressive. Hein. Et l'apogée de cette progression, c'était au temps de Chadli. Au temps de Chadli, à partir de 1980, on va dire, de 1980-82, là, le salafisme, il a pris vraiment son élan et il a commencé à devenir, à conquérir de très larges
couche populaire et de très large espace en Algérie. Et là, on a commencé à avoir un vrai problème, un vrai problème. C'est-à-dire, on a assisté durant les années 80 aux imams salafistes qui ont commencé à prêcher dans le sens contraire de ce qui était connu chez la plupart des Algériens comme étant l'islam. Donc, ils ont commencé à dire aux gens que non, votre islam, l'islam que vous connaissez, c'est un islam qui est faux. Et nous, on va vous montrer le vrai islam, ce que c'est que le vrai islam. Le problème, c'est que même l'État algérien, au temps du système Chadli-Bouzid, l'État algérien, il a c'est-à-dire il a collaboré, il a participé à la propagation de cette idéologie, de ce wahhabisme, et ce en permettant aux jeunes Algériens d'aller étudier le wahhabisme en Arabie Saoudite. Donc, il y avait des Algériens, c'est-à-dire des responsables qui étaient affiliés au ministère des Affaires religieuses, qui proposaient aux jeunes Algériens, aux lycéens surtout, aux lycéens et même aux collégiens, aux jeunes lycéens et aux jeunes collégiens, d'aller étudier en Arabie Saoudite. Les offres étaient très juteuses parce que on leur offrait d'abord d'aller étudier gratuitement et que tout était pris en charge par les autorités saoudiennes et qu'ils auraient une bourse d'études et qu'ils auraient deux billets d'avion gratuits pour venir voir leurs parents, leur famille en Algérie. Donc 2 fois par an, ils avaient le droit de venir gratuitement. C'est-à-dire les billets étaient payés par l'État saoudien pour permettre à ces étudiants de venir voir leur famille. Donc, du coup, c'était très, très, très attractif comme proposition. Il y avait des dizaines, moi je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y avait peut-être même des centaines de jeunes Algériens qui sont allés et qui sont partis. Étudier l'islam, en fait étudier le wahhabisme en Arabie Saoudite et qui sont revenus à la fin des années 80, qui sont revenus pour renforcer le discours des islamistes et pour servir de socle idéologique à ce courant extrémiste. Donc voilà, donc c'est comme ça que le salafisme A pris naissance. a fait son entrée en Algérie, a pris naissance en Algérie. Voilà. تلميذ مس جبل خير تحوش كي تمزغيان امشي ديكشم اموسو السلفيه دي تمتسير تتزيريث دا لا بيرسيو هيستوريك دو كومون le salafisme après naissance en Algérie. Mais tu as asksi nous Ms Saïd Jabl Khair a wi fana dinir i washu yewen am Chadli Ben Jdid yhamlen tudert kin qans France BCBG bon chic bon genre costume cravate ceci cela comment ça se fait you comme ce gars-là il a donné de l'importance à ce. Il a planifié l'émergence de ce mouvement-là à travers, comme tu viens de le dire, les étudiants qui l'ont envoyé. Il a préparé le nez de l'islamisme qui allait venir juste après son époque par la suite. Et entre autres, comment tu expliques qu'il organisait souvent des séminaires avec des penseurs de tous les intégristes du monde, il les rassemblait à Alger, au point même au Mohamed Arkoun, qui était un natif d'ici, il n'avait pas de place, il donnait la place à tous les intégristes du monde. Et en plus de ça,
En plus de ça, il a fait venir un prédicateur égyptien, c'est lui qui a enraciné encore davantage. Et puisque vous avez mentionné son nom tout à l'heure, c'était pas l'ancien Razali, mais c'est le nouveau Razali. Apparemment, lui aussi, il a joué un grand rôle Oui. dans la naissance de ce fils. Ma question est la suivante. Chedli, c'est quoi son but? Pourquoi il voulait islamiser la société algérienne? C'est mon hypothèse. Est-ce que, parce qu'en 80, c'était la naissance du mouvement berbériste, notamment avec le printemps berbère, donc il a peur un peu de remettre en cause l'arabisme, donc il s'est appuyé et veut s'appuyer sur l'islamisme pour contrebalancer un peu le mouvement identitaire de cette époque-là. Est-ce que vous partagez cette lecture?